référentiel de l'éducation à la vie familiale bientôt disponible au Burkina Faso. Le document a été validé au cours d'un atelier qui a regroupé plusieurs acteurs du domaine les 19 et 20 mai 2022 à Ouagadougou. Une initiative du ministère de la Santé, avec le soutien de son partenaire Pipi Global, une ONG spécialisée dans le domaine de la santé et du bien-être social. Le référentiel national portant éducation à la vie familiale au niveau du Burkina Faso a 4 grandes composantes qui constituent des modules. Donc il est question de contribuer à une meilleure éducation, à un meilleur encadrement des jeunes dans les établissements, au sein des établissements, mais aussi en dehors des établissements, d'abord en matière de leur santé sexuelle et de la reproduction. Ensuite, sur les compétences de vie courante, sur les questions de citoyenneté et enfin sur les questions de paix. Parce que vous savez qu'au Burkina Faso, nous sommes dans un contexte de crise vraiment humanitaire qui appelle à beaucoup plus d'encadrement et d'orientation, surtout à l'endroit de la jeunesse, pour contribuer à une vie paisible et de cohésion sociale pour tout le monde. Ce document, selon le ministre de la Santé, devrait faciliter les relations parents-enfants et de ces derniers avec la société. Donc, il est extrêmement important que nous arrivions à ce processus d'adoption de ce document qui va permettre aux jeunes de bénéficier de compétences au sein de leurs cadres familiaux pour pouvoir affronter la vie avec beaucoup de sérénité. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'actuellement, lorsqu'on n'utilise pas très bien les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ces jeunes peuvent être laissés à eux-mêmes, à des personnes sans scrupules, ce qui fait que nous ne sommes pas dans de bonnes dispositions pour aller vers un développement qui est harmonieux. L'éducation à la vie familiale est jusqu'à présent dévolue aux enseignants des sciences de la vie et de la terre. Pour le ministère en charge de l'enseignement impliqué dans l'élaboration de ce document, les 4 modules du nouveau référentiel seront intégrés dans toutes les matières au programme du primaire, du post-primaire et du post-secondaire. La stratégie aujourd'hui en matière d'éducation à la vie familiale ne se limite plus à des disciplines d'accueil, mais c'est l'ensemble des disciplines d'enseignement au post-primaire et au secondaire qui vont devoir donc développer ces thématiques au cours donc des enseignements. Si je prends un exemple comme le cours de français, à la faveur donc de l'étude d'un texte en français, on peut volontairement, le professeur dans sa stratégie, peut volontairement faire un extrait qui traite d'une des thématiques. Le cours se déroule comme prévu, mais il y a des fenêtres et des lucarnes qui sont ouvertes avec les élèves, notamment des discussions, des échanges, pour voir quelles sont les postures des élèves et comment les amener à aller vers les pratiques qui sont souhaitées par l'éducation. Le document assorti d'un guide d'utilisation fera l'objet d'une campagne de sensibilisation au sein des établissements d'enseignement. Le but est de faciliter sa mise en œuvre efficace. Un encadrement est également prévu au profit des jeunes non scolarisés.